Ouais, Makoso. Bah en fait, je lui ai jamais voulu à ce mec, en fait. Il me fait trop drôle. Il me fait péter de rire. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Appelez-moi Raina Benz. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Maman, je suis triste. Mon cœur est meurtri. Mon cœur chauffe. Mon cœur bat haut. Mon cœur va tomber haut. Mon cœur va sortir de ma poitrine. Quelle humiliation! Hey, Makoso! Makoso, l'année 2022, hein, on dirait que c'est pas pour toi, dès. Faut prier, ça va se terminer vite. Parce que là, après Anaconda, là, c'est maintenant Emmanuel Keita qui t'achève. Eh, on peut faire ça, dama. Eh, elle dit que toi, là, même ton visage, là, même, ça la fait rigoler. Hein. Ça veut dire ça lui fait péter de rire. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Elle a dit, donc quand elle te voit, là, elle rit en même temps, elle pète. Ah, quel manque de respect. J'en peux plus, oh! Makoso, faut aller te cacher. Parce que, ouh! Quel manque de respect diplomatique, hein? Francophonique! On peut faire ça, Dama. Emmanuel Keita. Toi aussi, hey, tu fais ça à notre pasteur. Ah, toi aussi. Ben, en fait, je lui ai jamais voulu à ce mec, en fait. Il me fait trop drôle. Il me fait péter de rire. Je sais pas. On parle du général Makoso. Bah oui, et quoi? Non, mais après, il a dit d'être gossier. Fait sur toi. Et non, j'arrive. Ouais. Ce monsieur, je pense que parmi tous les réseaux sociaux, c'est le monsieur qui m'a le plus injurié. D'accord. De tous les réseaux sociaux confondus, c'est ce monsieur qui m'a le plus injurié. Pourquoi, je ne sais pas, je ne le connais pas. C'est ce monsieur qui m'a le plus diffamé. Il est rentré dans les sphères de sexualité. Il a été très grossier. Vous voulez que je vous dise un truc? J'arrive pas à le détester. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais pas. J'ai de la sympathie pour lui, en fait. C'est bête, hein. Est-ce que tu as pardonné? Bah, je lui en voulais pas, en fait. Je te dis, ça me fait rire. En fait, je vois comme un mec qui est trop drôle, en fait. Je sais pas. Que le fait qu'on te considère, on dirait guignol, on dirait rigolo yao, on dirait lui de finesse. Oh, tu es pire que Siri qui est souké. Eh, moi, je traduis juste. Elle dit que toi, tu dois aller téter ou aller mougou parce que tu es en manque d'amour. C'est pas moi qui ai dit. Dans manquer d'amour, je sais pas, il a besoin à chaque fois de se faire remarquer. Mais j'arrive pas à détester ce mec, je sais pas. Il a dit les pires choses sur moi, en fait. Je sais pas. Il m'a traité de tous les noms. Mais quand je le regarde là, je sais pas, j'ai de la sympathie pour lui. Limite, je vais te dire que je l'aime, en fait. C'est bête, hein. Et tu penses qu'il manque d'amour? Jean, tu vois, je veux lui dire que tu penses qu'il manque d'amour. Ouais, je pense qu'il manque un peu d'amour parce que je pense qu'il a toujours un besoin de se faire voir, de s'exprimer, de lancer des pics. Et en général, en fait, c'est une carence en amour. Carence d'amour, ça veut dire que toi-même, hein, tu es sec, sec, sec là-bas, là. Donc, ça veut dire qu'il faut libérer, faut aller téter. Oh, et tété, ça te. Hey, maman. Hey, on peut traumatiser le pasteur des gens comme ça. Ah, dama. Donc, quand tu le vois, ça dit que tu n'arrives pas à le détester. C'est genre, tu vois un nounours, quoi. Oh. Hey, ce qui peut te réjouir, là, c'est parce que t'as comparé à nounours. Ça a dit, tu es un peu doux. Hey, Makoso. Hey, Makoso. Un peu dans le genre, tu vois. Un peu guignol. Non, pas guignol, c'est le père d'autrui, attention. Mais c'est pas un peu trop fort, ça, ce que tu dis quand tu dis. Je pense qu'il manque d'amour. Parce que quand tu vois quelqu'un, en fait, par exemple, je regarde Karina, elle m'a rien fait, je la connais pas. Et je pense à dire, regardez ses cheveux là-bas, femme comme ça, là. En fait, j'ai besoin que Karina me regarde, qu'elle s'occupe de moi, qu'elle sache que j'existe. Pour moi, c'est quand t'as une carence, en fait, au niveau de l'amour. Alors, okay. Après, manque d'affection. Manque d'affection, je sais pas, c'est bizarre. Avant. Ce qui me fait encore plus mal, là. C'est qu'il n'a plus nom de famille. Hein. On l'appelle maintenant Monsieur Général. Et puis on le renie, on dit c'est qui le général. Je suis un peu en colère. Eh hey, mon frère, on ne dit pas Makoso. Hein. Hey. Oh, qu'il n'y a eu ces histoires de d'insultes et tout. Est-ce que vous vous connaissiez? Pas du tout. Pas du tout, en fait, c'est bizarre. Même sur les réseaux. Mais ah si, bien sûr. Okay. Ah oui, c'est vrai qu'une fois j'ai fait une interview, j'ai dit je sais pas qui est le général, j'étais un peu en colère contre lui. Mais je veux dire, si tout le monde sait qui est ce monsieur, en fait. Ah, ça veut dire que t'as déjà été en colère un jour contre lui. Oui. Mais bien sûr, quand même, il a parlé de mes enfants, il a parlé de moi. T'insultes, ça te dit rien? Non, j'ai pas dit ça. Je dis malgré tout le mal qu'il a pu faire, en fait, je n'arrive pas à le détester. Okay. Je peux être en colère contre toi, Karina, mais je te déteste pas. C'est pas pareil. Tu peux me faire un truc, je dis putain, elle m'a fait. Désolé, pardon. Elle m'a fait. Karina m'a fait un truc. Ce qui est bien dans cette affaire-là, c'est que lui au moins lui a accordé le don. On l'a appelé au moins par monsieur et puis on a cité son pseudonyme. Mais les deux autres personnes, là, on ne les connaît pas, ni vu ni connu. Ce sont des fantômes, hein. Ce sont des gaspés. Elle a dit, hein, deux personnes. On n'a pas cité le nom de quelqu'un là-bas. Elle n'a pas sorti le nom. Non, ça a dit vous-même, hein, vous n'existez pas. Donc, vu que vous n'existez pas là, dans ma vidéo aussi, vous n'existez pas. Parce que moi aussi, je dois faire genre, je vous connais pas. Je fais genre également qu'on n'a pas parlé de vous, hein.
Même si je sais on a parlé de vous, mais pardon, on vous appelle par personne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci de vous abonner puis de cliquer sur la cloche de notification, mes chéris, pour ne rater aucune vidéo. Au revoir, bisous.